Oui, on est la flamme est d'Aleph, ou d'Aleph, Siman Kaf Gimel, dans le Shulchan Aruch. On est, Bokatov, on est au Siman Kaf Gimel, dans le Shulchan Aruch, Dine Tzitzit Bevet HaKvarot, et la chôte concernant les Tzitzit dans un cimetière, ou Bogimel Sefim, il y a trois paragraphes. Boutar Likanet Bevet HaKvarot, vous l'avouez Tzitzit. On a le droit d'entrer dans un cimetière quand on est revêtu de tzitzit, vous chez l'Oyeni Grar à la Kvarot, condition que les tzitzit ne traînent pas sur les tombes. Aval, ils m'ont dit Grar à la Kvarot, mais si les tzitzit traînent sur les tombes, assour, c'est interdit, mais choum l'oreille l'arrache. Parce que c'est comme s'il se moquait de l'indigent. Parce que le mort, il ne peut plus accomplir la mitzvah. Et lui, il peut, oui, accomplir la mitzvah, le vivant. Donc il se moque un peu. C'est une moquerie. Bamedvarim, ça, c'est seulement en leur temps. J'ai mis une petite devant la bouche. Chez l'ovsham, chez l'ovshim, le tzurechatzman. Où ils mettaient les tzitzit sur des vêtements qu'on met pour soi-même. C'est-à-dire que leurs vêtements, c'était des vêtements en quatre coins. Pas comme nous qui mettons spécialement des vêtements en quatre coins pour avoir les tzitzit. Eux, c'était des vêtements en quatre coins et donc ils mettaient les tzitzit. Et donc, le fait d'avoir ce vêtement sur soi, dans un cimetière, c'est pas se moquer du mort parce que c'est son vêtement normal. Donc, le seul moment où on dit qu'il se moque, c'est quand il laisse traîner les tzitzit sur la tombe. Avalanu, Shen Mekamnim Bahem, et là le Shem Mitzvah. Mais nous qui nous mettons un vêtement, on met le Taïd Katan ou le Taïd Gadol uniquement pour la Mitzvah. Sinon, on ne l'aurait pas mis, parce que ce n'est pas un vêtement qu'on met normalement. Asur Afiloenam Nigrarim. Pour nous, c'est interdit d'être dans un cimetière avec le Taïd Katan ou le Taïd Gadol, même si les Tzitzit ne traînent pas sur les tombes. Rien que le fait de les voir, c'est déjà qu'ils soient visibles dans un cimetière, c'est déjà montrer un manque d'honneur, de respect vis-à-vis des morts. Mais ça, c'est seulement si les titites sont visibles. Avalim s'ils ne sont pas visibles, sont couverts par son vêtement, ils sont sous le manteau, sous la veste, alors moutard, c'est permis. Jdamboura, Aleph, l'oreille l'arrache. Se moquer du. Il se moque du de l'indigent. Chénire ke meharef. Chénam yicholim le kaim et abitsot. C'est comme s'il se moquait de lui. Il lui faisait honte. Parce que eux ne peuvent pas accomplir les mitzvot. C'est inversé dans Michelet. L'oreille l'arrache, Heref Oseu. Se moque de l'indigent et il lui fait honte. Donc on a dit que ça, c'est en leur temps où le talit qu'ils mettaient, c'était en tant que vêtement pour eux-mêmes. Ce n'était pas pour accomplir la mitzvah. Shayaz Minak Bigdehem Asuim Bene Abakamfot. Parce que leurs vêtements étaient naturellement des vêtements en quatre coins. Alors on dit, de nos jours, c'est interdit, puisque le vêtement qu'on fait, c'est juste pour la mitzvah. Donc c'est interdit, même si le tzitzit ne traîne pas sur la tombe, à partir du moment où il est visible. Mais s'il est couvert, c'est permis. Que Goran, chez Marbi, t'as tzitzit, chez la tête Gadol. Par exemple, il cache les tzitzit du Taïd Gadol sous les pans de son vêtement. De même, pour le Taïd Katan qu'on met sous ses vêtements, il n'y a pas de problème de se moquer du pauvre, de l'indigent. Puisque les tzitzit ne sont pas visibles.
Donc ça, c'est quand il met un vêtement par-dessus, hein, comme une longue veste, qui couvre les tzitzit. Dans ce cas-là, c'est permis. Mais s'il ne met pas ce vêtement par-dessus, pour couvrir les tzitzit, gambem asur, achitravem baklafot, même pour les tzitzit du Tel Katan, c'est interdit, s'il ne les a pas rentrés dans les coins pour ne pas les voir. Il semble que il faut être mahmir, d'interdire, il faut être plus restrictif pour le Talit Gadol, même quand on a couvert les tzitzit, ou même quand on a couvert le Talit Gadol, les tzitzit du Talit Gadol, kavon shum yuchal atfila, parce que il est spécifique à la tfila, donc on est plus exigeant. Achen vet yosef le mashmakin. Gam b'derech ha-chaim, satan mekatan de mechusim moutar. Vet yosef, il ne semble pas ainsi. De même, derech ha-chaim dit que si c'est couvert, si on a couvert les tzitzit, c'est l'essentiel. Il faut couvrir les tzitzit qui ne soient pas visibles. C'est ça qu'on demande de nos jours. Dans tous les cas, tel katan et tel gadol. Alors, bête, Shulchan Aruch bête. Yesh Tohagim, l'ikshor shi tzitziot shi bishli klafim, zeim ze, shi chlasim et akvarot. Alors, il y en a qui ont l'habitude, quand ils rentrent au cimetière, de nouer ensemble deux tzitzit, les deux tzitzit qui sont sur les deux coins, donc de chaque côté, ils nouent ensemble les tzitzit. Velo et le klum et akanatan, mais ça ne sert à rien ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont quand même visibles. C'est pas parce qu'on les a noués que ça change quoi que ce soit. Il faut les couvrir. Mais Takanatan, dit le Mishnah Boura, donc avec ce qu'ils ont fait, ça sert à rien. D'Afalpi, Shikoshrim Ze Alze, bien que ils les nouent ensemble, on dit, ça n'enlève pas la mitzvah des tzitzit. Avec cela. D'alokesher shel kayamahu. C'est pas un nœud qui est destiné à rester. D'alokesher shel kayamahu. Puisque il va dénouer les tzitzit dès qu'il sortira du bet akvarot, donc c'est pas un nœud. Comme on a vu un cas un peu qui ressemble quand on a noué les coins ensemble là-bas. Donc Siman Yud, Siv Gimel, on dit que c'est ça. Ça n'enlève pas la mitzvah, puisque c'est fait pour être dénoué. En plus, d'après leur opinion, qu'ils pensent qu'ils ont enlevé la mitzvah des tzitzit en les nouant, alors ils mettent un vêtement sans tzitzit. Et c'est une avéra. Ils mettent un vêtement en quatre coins sans tzitzit. Mais en vérité, ça ne change rien. Ils ont toujours les tzitzit, ils font toujours la mitzvah des tzitzit. Et ça ne change rien au niveau de l'interdit d'avoir les tzitzit découverts devant un mort, devant une tombe. Oui, question ? Je disais, le fait de les nouer, ça ne les rend pas saoul. Non, pas du tout. C'est ce que dit le Mishabura. Si tu as noué, ça ne change rien. Puisque c'est fait pour être dénoué, donc ce n'est pas un kesha shel kayama. Alors, Gimel, anichnas toch arba amot shel met, celui qui entre dans les quatre coudées d'un mort, au shel kever, ou d'une tombe, dino que nichnas bet akvarot, c'est comme s'il entrait dans un cimetière. Quand on est dans les quatre coudées d'un mort, on doit faire en sorte que les tzitzit ne soient pas découverts. Le makom chez Noagim, la sire tzitzit vitalit amet babait. Dans les endroits, on a l'habitude d'enlever les tzitzit du talit du mort à la maison, ça veut dire avant de l'amener pour être enterré. Imak tefaim lofshim tzitzit. Si ceux qui portent le mort, ils portent des tzitzit. Il y a lieu de craindre que
ils enfreignent l'interdiction de se moquer de l'indigent. Donc ça voudrait dire que si on laisse les tzitzit sur le mort, alors ce serait permis. Tout l'interdit, c'est quand on enlève les tzitzit. Bon, on va voir le Mishnah Berurah. Dino que l'Ikhra se met à Kvarot. Mishnah Berurah. Non, le Hé. Shel Kever. Celui qui est dans les quatre coudées d'un mort ou d'une tombe. Alors, il ne doit pas avoir les tzitzit découverts. Va finir le Kever chez le Katan et chez l'Armir. Je me l'aigle rache. Même si c'est la tombe d'un petit mineur, qui lui n'avait pas l'obligation de mettre les tzitzit, il y a quand même l'interdiction d'avoir les tzitzit découverts. Je me l'aigle rache. Parce que ça s'appelle quand même se moquer de l'indigent. Le schéma n'est pas tellement gadol. Peut-être la neshama était celle d'un adulte. Peut-être qu'il aurait dû parvenir à l'âge adulte, ou bien ça provient d'un adulte. Avavekeverisha, le bechalia gam ken pitura, le kam shum lo eglarash. Ça, c'est uniquement pour un katan, parce que s'il était parvenu à l'âge adulte, il aurait dû mettre les tzitzit. Mais une femme, qui de toute façon de sa vie n'aurait jamais eu d'obligation, n'a jamais eu d'obligation, dans ce cas-là, celui qui est à côté de la tombe d'une femme, s'il n'y a que la tombe d'une femme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre tombe dans cet endroit-là, il n'y a qu'une tombe d'une femme, hein, alors il n'y a pas l'interdiction de le règle arrache, de laisser les tzitzit découverts. On ne peut pas considérer qu'il se moque d'elle, parce que de toute façon, même de son vivant, elle ne mettait pas les tzitzit. Dino que Nera se met à Gvarot. Et donc, celui qui se met à côté d'une tombe, c'est comme s'il était rentré à Bet Akvarot. Aïn le Kalman, Bessil al-Memhe, Bishabura. Regardez plus loin, si vous avez bien. Mais comme chez Noagim, aux endroits où on a l'habitude, donc, d'enlever les tzitzit du talit du mort, alors, ceux qui portent le mort n'ont pas le droit de porter les tzitzit sur eux, en tout cas pas découverts, pour ne pas se moquer du mort. Vachronim iskimu. Maintenant, les poskim ultérieurs ont statué d'afilu bakom shen noagim l'asir, que même dans les endroits où on n'a pas l'habitude d'enlever les tzitzit du talit du mort, gam ken ikamishum le garash. Il y a quand même le problème de se moquer de lui quand il porte les tzitzit. Oil, shametim peturim la mitzvot, puisque en fin de compte, le mort, il est quand même dispensé des mitzvot. Le réglarache, a une nuit matitit mekoulim. Bon, alors, quand on dit qu'il enfreint cet interdit de se moquer du l'indigent, c'est seulement s'il a les titites découverts, hein, celui qui porte le mort, comme on a vu précédemment. Alors, Siman Kavdalet. Anhagat le Mishat Hashitit Usrara Vansha Ubo Vav Seifim. Donc la conduite à avoir quand on a les tzitzit sur soi, et le mérite, la récompense, la punition, la récompense pour celui qui fait la mitzvah et la punition pour celui qui ne la fait pas. Il y a 6 Seifim. Iman Adam Lovesh Talit Batarba Kanfot Enochaya Betzitzit. Si quelqu'un ne porte pas un vêtement à quatre coins, il n'a pas l'obligation de la Torah de mettre les tzitzit. Et tov nachon liot kol adam zahir lilvosh talit katan kol hayom. Mais il est bon, il est recommandé que tout homme fasse attention de porter un petit talit toute la journée, que dès chez iskor amitzvah bechol rega, pour se souvenir de la mitzvah des tzitzit à tout moment. C'est pourquoi les tzitzit, il y a 5 nœuds, qui sont en rapport aux 5 livres de la Torah. Il y a 4 coins
pour qu'à chaque coin où il se tourne, il puisse se souvenir de la mitzvah, des mitzvot, la Torah. Venachon lovcho alam albushim. Il est bon de le mettre sur les autres vêtements. Ça, on avait déjà vu d'après le Shulchan Aruch, hein, puisque le Mishabura, il ramène que d'autres disent de ne pas le mettre sur les vêtements, mais d'après le Shulchan Aruch, il faut le mettre sur les vêtements. Le farot, iser shi lavush titit, shatat fila. Et au moins, faire attention, même pour celui qui ne les porte pas toute la journée, qu'il porte des tzitzit au moment de la tfila. Un exemple, quand un homme rappelle à un autre de faire quelque chose, alors il fait un nœud, hein, il fait un nœud sur sa cravate, là il fait un nœud sur sa ceinture, pour s'en souvenir. Donc les nœuds qu'on met au tzitzit, ils sont là pour rappeler l'obligation d'accomplir les mitzvot. À la balbushim, sur les vêtements, à Enel, Mishimanchem, Mishabura, Mishkatan, Musham, regarde plus haut dans Mishimanchem, Mishabura, ce qu'on a écrit, donc, Alpi à Kabbalah, de mettre le talit katan sous les vêtements. Pshat à Tfila, donc il est des tzitzit au moment de la Tfila, le Kriyat Shema. Et au moment du Kriyat Shema, puisque au Kriyat Shema, on rappelle la mitzvah des tzitzit. Veita bezohar parshat shalach lecha. Il y a dans le Zohar parshat shalach lecha. D'accord, le Kriyat Shema beli tzitzit, que celui qui récite le Kriyat Shema, on parle du matin, sans tzitzit, mais il est douché kabatzmo. C'est comme si il faisait un faux témoignage. J'ai coré parashat tzitzit venu au kayem, puisque il récite la parashat de tzitzit et il ne l'accomplit pas. Et non, kayem akra. Il n'accomplit pas le verset. Katav chayadam lo tov osim hamon ha'am shitpalim bederech velo tzitzit gadol. Chayadam écrit le peuple ne font pas bien de prier en voyage sans mettre de talit gadol. Valpirov a talit katan et non asu kedin, bechol pratav, shiraou le varechala. Or, en règle générale, le talit katan qu'il porte n'est pas fait comme il faut, avec tous les détails, pour que on puisse dire la bracha sur lui. Et donc, comme il ne porte pas de talit gadol, il ne faut pas de bracha. Vegamou Yashin Bobalaila. En plus, il a dormi la nuit avec. Donc, il ne peut pas faire de bracha le matin dessus. Vainel, Bissimanchet, Sitet Zain, Mishabura. Donc, on doit même en voyage avoir le Talit Gadol sur soi. Au moment de la tuile. Alors, ça y est bête. Hein? Même en voyage. Bon, après. Non, Chaye Adam. L'auteur aussi, Maman Am, Shilpanim, Baderech. On parle du voyage. Alors, Alev Avecha, ça c'est le Sifbet. Mitzvah Lechos Atitzit, Meyat Smalit, Keneged Libo, Shad Kriyat Shema. C'est une mitzvah de prendre les Tzitzit dans sa main gauche. Donc, pour que ce soit face au cœur, au moment de réciter le Kriyat Shema, Remez est là-bas, et un Remez, une allusion à cela, Vayuad Varim Aele, Regomer Alevavecha, que ces paroles-là soient sur ton cœur. Donc, c'est pour ça qu'on met les tzitzit dans la main gauche, sur le cœur. Pour montrer combien on aime la mitzvah. Alors, dans l'aide biatsmanit, on les prend dans la main gauche. Ketuv bekitve Arizal. Alors, c'est écrit dans les écrits du Arizal, Alpi Kabbalah, Sheyorzam ben Kvitsa les Zeret, qu'ils le prennent entre l'annulaire et l'auriculaire.
Pourquoi? C'est le Pikabala. Ou que chez Yagia, le parachat Tzitzit, lorsqu'on arrive à la paracha des Tzitzit, Ikachem Gambiademi, il les prendra aussi avec la main droite, c'est-à-dire qu'il les prendra dans les deux mains, Veyabit Bahem, et il les regardera, Veyobeyado Hachemagia le Neymani Velechemadim Lahad. Il les gardera dans sa main jusqu'à ce qu'il arrive au passage des Madim, les Chemadim, la Had. Ils sont fidèles, ils sont chers à jamais. On parle des mitzvot de la Torah. Vazenachek à Tzitzit. Et là, il embrassera les Tzitzit. Yassirem Biyado. Il enlèvera de sa main. Alev Avecha. Donc, on a dit, c'est marqué dans le verset Alev Avecha sur son cœur. C'est pourquoi on les met dans, on les prend dans la main gauche. Face au cœur. Valev ou bismol. Le cœur est à gauche, donc c'est pour ça qu'on les prend côté gauche. Mitzvazu matzil adam min achet. Et cette mitzvah, elle sauve l'homme de la faute. Dirti velotatourou, comme il est écrit, et vous ne vous détournerez pas, achare le vafrem, achare nechem, après votre cœur, après vos yeux. C'est pour ça qu'on le met contre le cœur, parce qu'achare le vafrem, et on les regarde avec les yeux, achare nechem. Le mantiskeru, afin que vous vous souveniez, vitem kedoshim, et vous soyez saints. Vera de kol shera mitzot en baem zot asgula la tzilom yetzerara. Bien que les autres mitzot n'ont pas cette propriété de le sauver du yetzerara. Tzitzit adif. Tzitzit ont plus de force. Kidita beouvda benachot, asse badam echad, bechoulé. Comme on l'a vu dans Menachot, histoire d'un homme qui a failli fauter, et au dernier moment, il a regardé les tzitzit, et ça l'a sauvé de la faute. Alors, Saïf Gimel, Tov listakel va tzitzit b'sha'at tatifa, j'ai me barer. Il est bon de regarder les tzitzit au moment où on s'enveloppe, lorsqu'on dit la bracha. Donc, au tout début de la mitzvah, de regarder les tzitzit. Kishem varer, quand il fait la bracha, Shenemar, comme il est dit, Uritem oto, et vous le verrez, Usrartem, et vous vous souviendrez, Reya mevia l'idée zechira, voir amène à se souvenir, Uzechira mevia l'idée maasé. Et ce souvenir amène à accomplir. Donc c'est pourquoi c'est important de regarder les tzitzit. Et surtout, quand on est, au moment où on les met, au moment où on fait la bracha, après aussi, en vérité, il y en a qui disent que chaque fois qu'on regarde, on fait une mitzvah. Uritem oto. Donc il y a une mitzvah de regarder les tzitzit. Alors, Dalet. Yesh Toragim, certains ont l'habitude, les istakel batzitzit, chez Magim Loritemoto, de regarder les tzitzit, quand on arrive au mot Uritemoto, et vous le verrez, donc c'est mitzvah de le regarder, donc on le regarde, Vitelotam alainai, et de les placer sur les yeux. Hein, comme on a placé sur le cœur, on place sur les yeux, puisqu'ils sont là pour que le cœur ne se détourne pas et que les yeux ne se détournent pas. Et puis aussi, le placer sur les yeux, ça montre que c'est quelque chose d'important pour soi. Hein, comme la prunelle de ses yeux, on le place sur ses yeux. Ça montre l'importance de cette mitzvah à ses yeux. Minag yafehu, c'est un beau minag. Le chibouvé mitzvah, qui montre combien on chérit la mitzvah. Haga, quand on dit que ça, t'es naché qu'à tzitzit, le chachéro et bam. Bah, quoi, le chibou mitzvah? Aussi, certains ont l'habitude d'embrasser les tzitzit. Au moment où il les regarde, quand il dit la paracha des tzitzit. Et tout ça, c'est chibou mitzvah. C'est pour montrer combien on chérit la mitzvah. Alainaïm. Alors, Mishtaboura, Alainaïm. Sur les yeux.
Nimtsa b'shem makadmonim. On trouve au nom des kadmonim, des anciens. Shikol ha'maravir titit alaynav. Tout celui qui passe les titit sur ses yeux. Shikoré parashat titit. Ce qu'il dit la parashat des titit. Il est promis qu'il n'aura pas perte de vue, la perte de la vue de ses yeux. A souvent, Yeshlo, les roses betitit, atitit beado, bechat kriat shema. Le non-voyant, lui aussi, doit prendre les titit au moment du kriat shema. Il faut plus chez les maurites moto. Bien que c'est écrit, il le verra, et lui, il ne peut pas accomplir cette mitzvah de voir. Mais on a vu que le non-voyant aussi a l'obligation des titites, on a vu ça. Seulement, il est visible par les autres. Donc, il peut accomplir cette mitzvah. Mais ne pas mettre les titites sur ses yeux, parce que ça ressemblerait un peu comme c'est quelque chose de. Un jeu, quoi. Puisque de toute façon, il ne peut pas voir. Alors, hé, j'ai mis taquel ma tzitzit, donc je vois là où, hé. Donc il regarde les tzitzit, mis taquel mes tzitzit chez le fanav. Il regardera les deux tzitzit qui sont devant lui. Après la Kabbalah, il faut regarder les quatre, hein, au monde du Kachema. Les quatre tzitzit. D'après le Shouchan Aruch, les deux tzitzit qui sont devant lui. J'ai le même Asarak Sharim. Sont composés de 10 nœuds ensemble, ça fait 10. Il y a 5 de chaque, ça fait 10. Remez, les Havayot, qui sont une allusion aux Sphirot, aux dix cieux, aux 10 sphères. Vegamesh Bahem Tetzain Chutim. Et il y a en eux 16 fils. Ve'asara k'sharim et 10 nœuds. Olé kavav k'shem avaya. Ça fait 26 comme le shem avaya yudke vavke. La gematria c'est 26. Alors, je t'aboura havayot pirouz asfirot shem k'shurim vachuzim zebete. Les 10 havayot, ça veut dire les 10 sphères sont attachés, noués ensemble les unes avec les autres, comme les nœuds dont on parle ici. Allez, on va faire le dernier. On n'a pas vu. Ouais, c'est un mina qui existe, mais qui n'est pas rapporté ici. Et c'est des minagim qui sont rapportés ailleurs. Mishabura, Shuranaour ne parle pas, il parle plutôt de l'embrasser au moment où on dit Uritem Oto. Il y en a à chaque fois qu'ils disent Titit, ils embrassent. Ça rapporte. Mais en vérité, c'est un mina qui existe, bien sûr, mais qui est rapporté aussi dans les soirées. Mais ici, il parle surtout d'embrasser au moment où on dit Uritem Oto. Alors, et aussi après quand on dit Nechemadim Laad, hein, d'embrasser. Alors, ça y va. On va terminer. Gadol onesh amevaten mitzvah tzitzit. Grande est la punition pour celui qui n'accomplit pas la mitzvah des tzitzit. Valam demar lechol bekanfot haaretz. C'est sur lui qu'il dit que il prendra les coins de la terre et les rechaim qui s'y trouvent. Il les retournera, comme quand on prend un vêtement et qu'on fait tomber tout ce qui fera tomber les rechaïm qui s'y trouvent. Et celui qui fait attention d'accomplir la mitzvah des tzitzit, il mérite et il verra la face de la présence divine. Alors, Saïf Katantet, Shtabura, Azaïr mitzvah tzitzit, celui qui fait attention à la mitzvah tzitzit, mitzvah la sot talit nae,
C'est une mitzvah de faire un beau talit, le tzitzit nae, et avoir des beaux tzitzit. Vuradin, kol mitzvot. C'est pareil pour toutes les mitzvot. C'est la sotal bihidur. Il faut les faire de manière qu'elles soient la plus belle possible. Cholma sheifcha. Cholma devcha. Autant que possible. Shenemar zekeli vanvehu. Comme il est écrit, zekeli, c'est mon Dieu vanvehu. Comment on traduit vanvehu? Etna et le fana ve mitzvot. Je m'embellirai devant lui par des belles mitzvot. Avalasu, lirkom sukim sel Torah betalit. On ne doit pas broder les psukim de Torah sur le talit. Hein, parce qu'après, on risque le talit, il risque ensuite d'être jeté, etc. Alors, c'est pas un kavod pour les psukim de Torah. Mais comme encore une fois, les kam utar lever chalav. Et malgré tout, si ça a déjà été brodé, on peut faire une bracha dessus. Va faire un bapot. Elle m'aurait mis la chatrée vers qu'on dirait Torah, là. De même sur les mapotes, ça veut dire les tissus avec lesquels on entoure le Sefer Torah, on enroule le Sefer Torah, on ne permet pas d'écrire des livrets Torah. Bon, on écrit des brachot, mais on n'écrit pas de livrets Torah. On ne doit pas écrire des livrets Torah dessus, à lave, sur ces mapotes. Bon, on va laisser là. Voilà, on a terminé. Hein? Ouais, mais je fais ma pote, ça existe depuis longtemps. Très, très, très longtemps. Non. Hein? Comment? Sur les kivrets tzadikim, les gens, ils sont pas très makpides de rentrer les tzitzit. En général. Il y en a qui disent que sur les kivrets tzadikim, on a le droit de prier là-bas, pour les... on fait les tfilotes, qu'on peut mettre un talit là-bas pour prier quand on prie Beminyan. Mais sinon, en règle générale, quand on rentre dans un cimetière et tout ça, on doit couvrir les titites quand même. Ouais. Vu que la note de la Khazonich, il n'embrassait pas les titites, il n'a que rapproché Feinstein, il dit je vais les embrasser après les messes. Oui, le Mishabura, il ramène de les embrasser Uritemoto et à Emet. Là, il ne ramène pas ici. Oui, il y a aussi qu'on a l'habitude d'embrasser quand on a terminé Hachem Lokichem Emet. Ça existe aussi, ce minag. Effectivement. Mettre sur le front aussi. Oui. Il y a beaucoup de minagim comme ça. Ouais. Alors à demain. Chazak ou Baruch. Je crois.